Comment changer une taille de carte dans Avant sur Can-Am, Renegade ou Outlander 500, 650 ou 800? Bon, ben salut. Je vais vous montrer comment changer un joint de cardan cassé. Ça fait dur, il est vraiment cassé, un joint extérieur. Ça va prendre une clé 1 pouce 7-16. Une clé 15 mm, un ratchet 15 mm, un autre clé 19 mm. Ça prend la bit Torx aussi. Ça, c'est la 40. T40. Fait que c'est ça. Ici, c'est la 17 mm. Ici, en bas, ces deux bolts-là, c'est 15 mm, 15 mm. La grosse bolt du milieu, c'est la 1 pouce 7, 1 pouce et 1 16. Puis ici, pour défaire le 10, c'est les deux Allen, pas Allen, je veux dire Torx 40. Bon, fait que j'ai dû défaire aussi la bolt de Chuck en haut, pareil comme le bas joint d'en bas, c'est les deux bolts 15 mm. Fait que là, c'est ça, tout est défait. Le cardan, il reste à sortir le cardan du différentiel. C'est bien simple, tu ferais rien que le prendre de même. Puis quand il est défait, là, j'ai même défait le galloper du brake. Tu fais rien que tirer dessus de même. C'est un petit peu, il est calé. Fait que là, moi ce que je fais dans ce temps-là, je vais prendre une crowbar ici, en arrière du disque. Je prends un petit peu en faisant attention pour pas briser le disque, c'est sûr. Je le pogne comme en arrière de la boîte. Voilà. C'est tout. Je l'ai dans les mains. Bon. Fait que là, on est rendu à la tête qui est tout pété. Moi, je me mets des gants parce que c'est affreux là-dedans. C'est vraiment très salaud. C'est de la vieille graisse, fait que ça salit beaucoup les mains. Je vais péter les clips. La boue, ça va être plus simple. Éliminer. La cage est tout cassé. Fini graine. Là. Beau petit marteau. Ça sert l'étau. L'étau comme il faut. Puis on donne un coup. Voilà, la tête est prête à recevoir une nouvelle tête. La pause. Fait que ici, on a une belle tête qu'on enlève. Ça, ça s'en va à poubelle. J'ai rien de bon avec ça. Une belle tête là, ici. Avec un beau bout de tenue. On recommence. Avant, je vais passer un petit coup de guenille pour enlever la vieille marque de graisse. Voilà.
Ah, pas rendu. On commence par le boot. En premier. Il y a une petite coche ici. Une petite coche ici pour le boot. Ensuite, on prend la nouvelle tête. Pareil. Et on la rentre demain. Là, à clipper là. Fait que là, il me reste juste à mettre ma clip d'en haut, ma clip d'en bas. Il y a une chose, c'est sûr. Mettre la graisse dedans. Voilà. C'est tout pour le montage avec mes deux clips là, une clip en bas. Dans la groove, tu mets le boost là. Là. Voilà. Et voilà, j'en remets mes bottes là, ma botte là, ma botte de clutch. J'en remets mon hub de roue, j'en remets ma grosse botte, je resserre tout ça, je resserre mon galloper. C'est fini, on n'en parle plus. Expliqué par David Briand, visitez escape.ca.